Go!
À ce document, nous avons également interpellé le gouvernement de la France, notamment la représentation nationale à travers les députés, sur l'attitude de M. l'ambassadeur de France au Cameroun et sur l'indifférence du gouvernement français face aux souffrances de notre peuple. Donc, à cette revendication, nous avons également joint à ce document un ensemble de preuves portant sur les violations des droits de l'homme, que ce soit les assassinats des journalistes comme le dernier cas que nous connaissons, le Wazizi, que ce soit les massacres perpétrés dans le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, notamment avec le massacre de Ngardou. Nous avons documenté avec des images, des extraits de presse, tous ces points qui sont contenus dans ce document. Donc, ce document a été déposé au secrétariat du ministère des Relations extérieures et d'après les promesses qui m'ont été faites, le document sera remis en main propre au ministre des Relations extérieures. Mais je voudrais aussi dire que notre présence ici aujourd'hui, ce n'est pas une manifestation contre la France. Ce n'est pas une manifestation pour condamner la France, même si on aurait des arguments pour le faire. C'est une manifestation pour dire que la France doit faire le choix entre se mettre du côté du peuple camerounais et l'accompagner dans ses réformes démocratiques, ou bien choisir de continuer à soutenir la dictature. Dans ce cas, il faut que la France, qui a la gentillesse de nous accueillir, pour beaucoup d'entre nous qui sont venus faire des études ici et qui y sont restés parce que nous ne pouvions plus rentrer chez nous, il faudrait que cette France comprenne que le peuple camerounais est aujourd'hui déterminé. Et que s'ils choisissent de continuer à soutenir la dictature, alors nous avons le droit, cette fois-ci, de revendiquer notre liberté et quitte à combattre cette France qui nous opprime. Thank you.